Oh là là, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Alex? Ah, j'ai mal à l'œil, c'est terrible. Oh là là, mais. Non, mais c'est une blague! Ah non, c'est pas une blague, je vais te raconter, attends. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je vais te dire, je vais te dire. Salut à tous! Alors, une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui. Une vidéo comme vous en voyez parfois sur d'autres chaînes, une vidéo qu'on appelle Storytelling. Storytelling, c'est l'histoire du jour. Alors, nous, on n'est pas très fan de ce genre de vidéo. Mais il n'empêche qu'il est arrivé un vrai truc à Alex. Nous, on va faire une storytelling à notre façon. Voilà, on va faire une storytelling à notre façon parce que. Voilà, alors, Alexandre a eu quelque chose à son œil. Et on va vous demander de deviner ce qui lui est vraiment arrivé. Alors, j'ai mis un œil là par-dessus. Alors, j'ai collé un œil, j'ai imprimé un œil, j'ai mis un œil par-dessus. C'était pour habiller, parce que ça fait trop bizarre d'avoir un carré blanc sur l'œil. Tu vois, donc c'est pour les gens, voilà, pour qui nous regardent. Et ils disent, tiens, Alexandre, il a quand même ses deux yeux. Ben ouais, j'ai quand même mes deux yeux. Sauf que mon vrai œil est caché derrière. Ça me fait des yeux verrons parce que t'en as un qui est vert et un qui est bleu. Et il y en a un qui est gros, ça fait un peu cyclope. Tu vois. En fait, si je suis bête, j'aurais dû prendre une photo de moi, tu vois, et découper un de mes propres yeux de ma photo. Ouais, mais c'est pas mal l'effet là quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors quel œil vous préférez, celui-ci ou celui-là? Ah, parce que. Alors nous, ce qu'on aimerait bien savoir. Attends, je fais mon plus bel œil. Ce qu'on aimerait bien savoir, moi, vous. Et puis vous, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Alors, comme on fait dans une storytelling déjà, je rassure, je n'ai pas l'œil crevé. Ouais. Non, mon œil est encore là. Il est encore là. Alors, dans une storytelling classique, on explique un petit peu... Ouais. Tout comment ça s'est passé. Mais nous, on n'est pas classique, vous voyez. Non. Et même ce genre de vidéo, on n'aime pas du tout. On trouve que c'est un petit peu, comme on dit... c'est de la fiction. Si c'est de la vraie fiction. Si c'est de la vraie fiction, ça peut être rigolo. C'est une storytelling fiction. Voilà, nous, on n'est pas fan, mais on avait envie de rigoler parce que, en fait, ce matin, il est arrivé quelque chose à Alex, à son œil. On s'apprêtait à tourner une vidéo et on s'est dit, on va pas la tourner comme ça parce que là, c'est pas encore Halloween. Du coup, tu vas faire peur à notre communauté qu'on adore. Du coup, on s'est dit, il faut qu'on leur explique, quoi. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Vous avez essayé de deviner. Alors, première hypothèse. Eh ben, c'est simple. J'étais dans la rue, j'ai croisé des haters. Ils m'ont sauté dessus, ils ont essayé de me frapper. Je me suis défendu, ils étaient 10. Ils m'ont frappé, il y en a un qui a réussi à m'atteindre à l'œil. Ouais, Mélanie, ouais, c'est Alexandre. C'est toi des mots joués? Oui, bonjour. Elle est pourrie, ta chef. Ah bon? Mais heureusement, je les ai tous après. Donc j'ai pu, voilà, ça s'est bien fini malgré tout au final. C'est moi qui ai eu le moins de bobos, mais bon, il y en a quand même un parmi les 10 qui a réussi à me taper. Alors, à votre avis, c'est plausible. J'ai envie de dire mon œil là. À votre avis, est-ce que c'est mon œil, moi? Non, allez, dis-nous la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, la semaine dernière, quand je suis parti escalader l'Himalaya, j'étais tout en haut là, prêt. J'ai donné un coup de pioche. Il y a un caillou qui m'est tombé dans l'œil. Vous pensez que c'est vrai ça? Moi, je suis pas sûr. Comment ça? Tu sais très bien, non? J'étais pas là. Allez, dis-nous la vérité. Dis-nous la vérité vraie. Non, je jouais, tu sais, c'est quand je suis allé jouer au tennis. Ouais. Je me suis fait, tu sais, pour m'entraîner, on fait du mur des fois, c'est-à-dire qu'on envoie la balle contre le mur des fois, tac, pour s'entraîner, pour la rapidité et tout ça. Et j'ai frappé tellement fort, une puissance démentielle. Je crois que la balle, elle devait atteindre au moins les 200 km/h et tac. Elle a tapé dans l'œil en retour. Donc ça fait paf, paf, tu vois. Terrible. Alors, à votre avis,
Est-ce qu'il a escaladé l'Himalaya? Est-ce qu'il a été agressé par un haters? Ou est-ce qu'il... Par une bande de haters. Ouais. Ou est-ce qu'il a tout simplement reçu une balle de tennis dans l'œil? Et ben voilà, cette vidéo est terminée. Cette vidéo est terminée. On vous fait de gros bisous. On va pas faire comme dans les vrais storytelling. Vous savez, il y a le petit pansement qui tombe et on voit la plaie béante et tout ça. Tu veux dire le pansement qui tombe? Ouais, malencontreusement. Sans vouloir. Voilà. Et en tout cas, quoi qu'il en soit, on vous fait d'énormes bisous. Oui, on vous fait d'énormes bisous. Alors moi, j'ai trouvé que tu vois, c'est moi qui l'ai décoré. Je fais cette petite idée là. Je trouve ça plutôt sympa. Bon, alors c'est peut-être pas super. Hein, ça fait un peu peur, ça fait un peu Halloween. Ça fait un peu peur. Tout à l'heure, j'ai croisé quelqu'un qui avait comme ça, parce que c'est vrai que c'est un peu surprenant d'avoir un œil un peu. Mais je trouve que c'est une bonne idée quand même. Ouais, des pansements décorés. Ça te va hyper bien. Ça change un peu des trucs tout blancs ou des trucs. Voilà. On vous fait plein de bisous. Ciao! Ciao!